Le premier Nguyen connu est le grand-duc Nguyen Bac, sous la dynastie des Din au IXe siècle. En 1802, Gia Long fonde la dynastie impériale Nguyen et fait de Hue sa capitale. Jusqu'en 1945, les 13 empereurs de la dynastie vivront au cœur de la fastueuse autant que secrète cité pourpre, la cité interdite de Hue, qu'ils peuplent de palais et de temples magnifiques. Et ce faste se retrouve dans les tombes somptueuses ou baroques que 9 d'entre eux se firent construire le long de la rivière des Parfums, parfois avec leurs épouses. On y trouve aussi le tombeau de la Dame Céleste. Et le dernier empereur, Bao Dai, sera enterré à Paris. Kei Din fut le 12e empereur de la dynastie Nguyen, de 1916 à 1925. Bien qu'il fût l'héritier légitime du trône, son intérêt pour le mode de vie et l'art occidental lui avait valu de nombreux ennemis dans la cité impériale de Hue. Il fit donc construire le palais Han Din en 1917 en dehors de la cour pour en faire son logement. Il vécut ensuite au palais Qian Trung de la cité pourpre qui était lui aussi de style fortement occidental. Il mourut de tuberculose en 1925 à l'âge de 40 ans. Il avait commencé la construction de son tombeau dès 1920, mais il fallut 11 ans pour achever ce monument délirant, véritable ode au béton. La tombe est construite dans un axe rectiligne qui grimpe par 5 terrasses jusqu'au sommet de la colline et sans aucun parc paysager. La première terrasse est encadrée de temples secondaires où sont enterrés des officiers valeureux. La seconde terrasse est la cour d'honneur, avec en son centre le pavillon de la stèle. Autour, des statues de mandarins civils et militaires, des soldats, des éléphants et des chevaux sont dressées. Elles sont de petite taille, mais Kei Din ne mesurait que 1m40 et il n'aurait pas supporté des statues plus grandes que lui. En fait, ce tombeau est un délire architectural où se mélangent des styles occidentaux et des symboles orientaux. Mais il est à l'image de ce petit roi, célèbre pour ses goûts particuliers et son ostentation, qui aimait se parer d'une montagne de bijoux et dessiner lui-même ses robes d'apparat, de style traditionnel vietnamien, mais avec des épaulettes militaires européennes et des bottes militaires. Le mausolée Tien Din se trouve sur la plus haute terrasse. Il est construit en ciment, fer, acier et ardoise, associé au traditionnel mortier et terre cuite vietnamien. Il comprend 3 parties. Les 2 petites bâtisses à droite et à gauche qui sont réservées aux gardiens. Et au centre, le temple Kei Tan. À l'entrée de la première salle, on aperçoit d'abord les murs décorés d'une mosaïque de porcelaine et de verre représentant les 4 saisons. Puis l'autel portant la tablette votive à l'image de l'empereur. La salle de culte est surchargée de couleurs. Le trône est surmonté d'un dé de béton imitant une tapisserie brodée qui pèse 1 tonne. Le plafond est décoré d'un immense dragon dans les nuages. Le roi est représenté par une statue grandeur nature en bronze doré, fondue en France en 1922. La tombe est un cénotaphe, le roi est enterré 18 mètres plus bas dans un caveau scellé. Il avait peur des vandales. Dans la 3e salle, le roi en pied dans le costume militaire européen qu'il affectionnait. Ce petit empereur fragile était étonnant sous bien des rapports. Outre son goût pour l'Occident, il est le seul empereur à avoir visité la France et à avoir occidentalisé son mode de vie et ses tenues habituelles,
puis a envoyé son fils, le futur empereur Bao Dai, faire ses études en France. Il tenta de faire entrer son pays dans le monde moderne pour s'affranchir de la tutelle des colonisateurs, sans y parvenir. La révolte éclatera plus tard, mais Kei Din avait déjà rejoint son fabuleux tombeau. Thank you.